nous allons parler agronomie on va parler aussi dynamique humaine autour de ce maraîchage qui se développe grâce aux hommes et aux femmes qui les font tous les jours. c'est vraiment une posture qui se développe depuis le terrain et donc il y a de la science il y a de la technique mais il y a aussi beaucoup d'empirisme et je pense que c'est important dans ce type de dynamique là de revaloriser l'empirisme. voilà l'empirisme ce n'est pas quelque chose qui n'est qui pas de la science. justement l'empirisme c'est le démarrage de la science c'est l'observation je vois que ça marche. Je ne comprends pas bien pourquoi, mais je vais fouiller. Et donc, dans ce maraîchage-là, euh, on a des choses qui sont un peu antinomiques parfois avec euh, les séquences techniques telles qu'on a pu les apprendre à l'école ou ailleurs. Euh, on va parler beaucoup de matière organique, on va parler d'apports massifs ou d'apports importants, on va voir euh, quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça marche moins, pourquoi des fois on a un temps de latence, pourquoi on a besoin de faire cette transition. Donc je vais démarrer tranquillement. Et donc, avec une petite présentation du Centre de Développement de l'Agroécologie, on se voit un peu comme un spécialiste de la transition agroécologique. Alors, on ne va pas parler de gros mots, l'agroécologie, euh, l'agronomie, euh, l'agriculture euh, de la quatrième dimension, la question n'est pas là. Euh, C'est derrière, comment on revient aux principes fondamentaux de l'agronomie pour pouvoir produire, comment on renoue aussi avec les, le fonctionnement de la nature pour pouvoir produire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas interventionniste, c'est-à-dire qu'on laisse euh, les processus vivants se mettre en œuvre, euh, mais pour ça, il ben, y, y a des séquences, il y a quand même des étapes, on ne peut pas tout faire, tout et n'importe quoi. Et l'idée, c'est d'organiser cette transition. Et donc, euh, on organise cette transition auprès des agriculteurs, des coopératives, des collectivités, et des privés du secteur agricole et agroalimentaire. Aujourd'hui, on a euh, trois pôles de services, recherche et développement, où on fait beaucoup d'expérimentations, euh, la plupart tendues vers le semi-direct, la réduction du travail du sol, et puis également tout ce qui va jouer sur comment dire, faire jouer justement ces, ces principes naturels pour nous permettre d'économiser des intrants et avoir une, une agriculture avec une grande efficacité énergétique, hein, puisque c'est un peu ça l'idée, hein, c'est comment je fais pour produire la même quantité de nourriture avec le minimum d'énergie que je consomme, de l'animation agricole auprès de groupes de producteurs qui nous font confiance, et puis pas mal de consulting et de formation. Et donc, euh, pour pouvoir organiser cette transition, et je vous conseille aussi chez vous, hein, que ce soit avec nous ou avec d'autres, de toujours mettre en œuvre ces, ces quatre axes-là quand vous voulez. Confortablement aller vers une transition qui soit sécurisée. Bah, première chose, capacité à faire du diagnostic. Vous devez être en mesure, chez vous, de faire des bons diagnostics de sol ou être accompagné pour ça. C'est pareil pour des diagnostics de paysage, comprendre comment les choses fonctionnent et puis euh, quel est le programme à mettre en œuvre pour pouvoir aller vers des systèmes qui soient de même plus résilients. De l'accompagnement, de la formation, c'est important de changer les cadres. Hein, donc c'est aussi pour ça qu'on produit ce genre de journée. C'est pour pouvoir euh, évoluer euh, vers euh, de nouveaux cadres scientifiques, techniques et puis beaucoup d'expérimentation. Il y a des choses, on n'a pas besoin forcément d'expérimenter pendant 10 ans, c'est vu revu. Euh, il y a d'autres choses, eh bien on a besoin de se caler un peu pendant un an pour voir un peu comment les choses réagissent. Voilà. Donc première, euh, finalement intervention technique euh, du légume sans travail de sol en bio, hein, c'est des questions qu'on peut se poser. Sans travail de sol, avec une notion d'auto fertilité aussi. Comment c'est possible Et eh bien pour pouvoir rentrer dans le sujet, eh bien, je vais vous parler un peu de comment moi j'y ai cheminé. Et puis on va revenir euh, à il y a de ça euh, voilà quasiment une voilà quasiment 10 ans où je faisais euh, j'étais technicien en en maraîchage bio, en Bourgogne. Et puis, euh, j'avais plein de jeunes installés qui voulaient faire de la permaculture, etc. Et euh, je m'y retrouvais pas bien forcément dans tous ces schémas permacoles. C'est-à-dire que, on va dire que dans le principe, le biomimétisme était intéressant. Mais quand j'allais visiter les fermes, ben, je voyais pas des légumes qui produisaient grand-chose. Donc c'est bien beau de se dire que je veux tout faire avec la nature. Mais si derrière, j'arrive pas à sortir un kilo de tomates par pied, j'aurai un problème. Donc derrière, il y a cette notion de, ok, j'entends que la plupart des jeunes installés, euh, des personnes qui veulent devenir maraîchers, veulent le faire de façon complètement différente, mais comment le faire tout en produisant du légume de qualité professionnelle Et donc, euh, ça a démarré finalement cette. Euh, la première lumière s'est allumée aux États-Unis, singulièrement. Et donc là, je vous montre cette, cette diapo. Donc Alors j'ai perdu le nom, j'ai perdu l'endroit, vous m'excusez, mais grosso modo, j'ai récupéré les photos. Et donc, euh, j'avais pris des photos à cette époque-là. Donc vous voyez l'agriculteur au centre de cette photo, euh, qui est aux US, et qui arrive et qui me prend par le col ce jour-là, et qui me dit, Sébastien, l'azote, c'est rien, c'est le carbone qui fait tout. Il faut que tu le dises, il faut que tu le communiques. Et à l'époque... On se posait beaucoup de questions. Hein. Euh, est-ce que euh, le BRF, c'est bien ou pas bien Est-ce qu'il faut avoir un grand taux de matière organique Ou est-ce qu'il faut plutôt rester à des taux de matière organique autour de 2% et puis euh, venir faire de la fertilisation d'appoint. C'est comme ça qu'on va faire les meilleurs légumes, etc., etc. Et cet agriculteur, en me disant ça, me dit, si tu travailles ton carbone convenablement, tu vas réussir à pouvoir après produire du légume confortablement, mais il faut construire ce statut organique au démarrage. Et c'est des choses qu'on a tous appris. La question c'est comment le mettre en œuvre et aller jusqu'au bout du système. Parce que si on reste au milieu du guet, par exemple si on n'a peut-être pas le taux de matière organique requis, si on n'a pas l'activité biologique requise, on restera de toute façon dans des postures intermédiaires. On ne va pas forcément pouvoir se passer de travail de sol, pouvoir se passer euh, de, de, de certaines formes d'engrais. Donc, ça c'est intéressant, et quand je me balade dans son jardin, ben voilà ce que je vois. Donc, des légumes qui ont une belle gueule, une qualité sanitaire irréprochable, alors qu'il y a zéro traitement, hein, même pas des traitements bio, etc., des, des cuivres, des choses comme ça. Et puis, euh, je vois que c'est très bien organisé. Et donc, zéro travail de sol, il y a 7 à 8 de matière organique dans ces sols. Et je mets la main dans ces planches, je l'enfonce quasiment jusqu'à la moitié de mon avant-bras sans aucun effort. Donc forcément, le travail de sol, là-dedans, ça ne sert à rien. Et donc, euh, il m'explique un peu ses méthodes. Et ses méthodes, c'est quoi C'est première étape, je fabrique ma planche. Je fabrique ma planche, ça veut dire quoi Ça veut dire que je, je crée une planche surélevée et puis ensuite, pendant 4 ans, je vais pas mettre de production dessus, mais je vais apporter énormément de matière organique. Du fumier, des résidus végétaux, il avait des, des bourrages qui poussaient tout autour de la ferme, euh, il les coupait euh, et puis il les amenait sur sa planche. Et puis, quand il avait pour lui monté ce statut organique, il se disait c'est bon, ma planche est prête, maintenant je peux y aller sans travailler le sol, sans rien. Et puis ce qu'il faisait, c'est que chaque année il accumulait des résidus végétaux dans le passe-pied, voilà, il en coupait régulièrement, et puis il les remettait sur sa planche et il cultivait comme ça euh, d'année en année. Il apportait de temps en temps un peu de fumier, mais disons qu'on avait cette, ce cycle-là du carbone qui était toujours alimenté. Donc, ça, c'était, on va dire, ma première touche avec, première touche avec ce que j'appelais un peu l'agronomie du carbone. C'est-à-dire qu'on va commencer à, à organiser sa pensée autour de cette, ce principe premier. Si le carbone ne va pas, tout le reste va devoir être compensé par des actions que je vais devoir faire. Si je règle le problème du carbone, je vais structurer mon milieu de telle sorte à me régler quasiment ben, la plupart des problèmes tout seul demain. Par contre, ça demande de mettre en place ce statut organique, lui, sa technique à l'époque, qui n'est sans doute pas la seule à mettre en œuvre, et vous le savez bien, c'était de, pendant 4 ans, construire ce statut organique. On passait de 2%, 3% de matière organique à 7% de matière organique. Et puis, euh, deuxième rencontre, donc avec euh, François, euh, François Mullet, que vous connaissez sans doute euh, pour la plupart, donc euh, là j'ai pris des photos de son jardin, c'était la première fois que je le visitais. Pareil, donc zéro travail de sol, zéro apport de fertilisant euh, ou extrêmement peu, sous forme de compost, et puis derrière, des cultures qui ont de la gueule. C'est-à-dire que ça produit. Voilà. Et c'est quand même quelque chose qui est important. Pour ceux qui sont euh, voilà, en ligne, qui se souhaitent s'installer, qui sont intéressés par la permaculture, la question fondamentale, c'est de se dire, est-ce que dans les modèles que vous souhaitez reproduire, ça produit voilà. Parce que si ça ne produit pas, si ça ne crache pas un peu du légume, on a un problème. Et donc on voit pareil dans ce type de technique-là, le sol est, est toujours énormément couvert, on a beaucoup d'apports de matière organique, et vous le voyez en bas à droite vous avez euh, une typologie de sol qui est grumeleuse, qui est noire, avec des résidus végétaux euh, plus ou moins décomposés. Euh, et donc on a un ensemble de techniques qui se mettent en place. Donc là c'est pareil, aucun travail de sol, zéro fertilisation, et puis des, des, des taux de matière organique qui vont dépasser 5. Donc on commence à retrouver une sorte euh, voilà, de ligne directrice autour de ce, ces techniques-là, où on va euh, aller rapidement vers un taux de matière organique élevé, mais derrière qu'est-ce que ça induit en termes de processus On va le regarder ensemble. Alors voilà, donc ça c'est euh, en sol plus argileux, euh, ça marche quand même. Hein, donc on pourrait toujours se dire si les sols sont très argileux, c'est des techniques qui vont mal marcher. Vous savez, on a toujours cette tendance euh, à se dire que euh, ça marche, mais euh, chez le voisin. Ça marche pas forcément chez moi parce que j'ai sol trop ceci ou trop cela, trop sableux, trop argileux, trop limoneux. Au final, même dans les sols très argileux, ça marche et on voit qu'on a encore euh, une, une ligne rouge, hein, un fil rouge de ces techniques-là, des sols toujours couverts, alimentés avec énormément de carbone, ici c'est de la paille. Donc on a ces notions-là très importante de cyclage du carbone sur la parcelle qui deviennent quelque chose de crucial et puis en plus c'est intéressant puisque derrière ça nous permet de limiter le désherbage et ça a tout un tas d'aspects intéressants dans Rhône, ici, on est sur des transitions plus progressives, mais vous voyez, c'est sous serre, zéro travail de sol, euh, des réductions d'apport d'engrais. Bon, là, il y a toujours du bouchon qui est utilisé, mais sans doute qu'on pourrait le faire maintenant avec beaucoup moins. Zéro travail de sol, transition progressive en cinq ans avec des couches toujours 4-5 cm de BRF, de la paille qui vont se succéder selon les cultures. On a vu que là, on avait une multiplicité de cultures sur lesquelles ça marche très bien. Hein, là, on a des bêtes, on a de la salade, euh, on a vu de la tomate, euh, etc. Donc, on voit que ça marche toujours de la même manière, zéro travail de sol, etc. Mais derrière, on a 5% de MO, on a travaillé ces matières organiques, on a fait des apports. Et voilà les structures de sol auxquelles on peut euh, accéder. Donc, ça, c'est sur deux fermes différentes. On a sous serre à gauche, on a en plein champ euh, à droite. Là, ce sont des euh, structures de sol qui sont excellentes. Elles sont travaillées par l'activité biologique et c'est ce qu'on va rechercher. On va rechercher des structures de sol qui permettent de supporter, on va, on va dire, qui permettent d'avoir une grande euh, proportion de porosité. Cette porosité, elle n'est pas mécanique, elle est biologique. Donc on voit bien que si je veux de la porosité biologique, je dois avoir, eh bien évidemment, des êtres vivants qui me la fabriquent. Comment je nourris ces êtres vivants eh bien, je vais les nourrir avec des résidus euh, végétaux divers et variés. On a vu du bois, on a vu de la paille, on pourrait parler de foin on commence à rentrer dans une mécanique qui est essentielle, qui est la nutrition par le carbone pour pouvoir accéder à une structure de sol favorable. Et puis derrière, si j'ai 5% de matière organique, et si je prends en compte que je vais avoir autour de 40-50 unités d'azote par pourcentage de matière organique qui sera minéralisée tous les ans, mais si j'ai 5% de matière organique, derrière, je vais faire 250-300 unités d'azote qui vont circuler dans mon système, et je commence à accéder à cette fameuse auto-fertilité. Donc on voit bien qu'on a... Quelque chose qui est toujours relié à ce fameux cycle du carbone. Et quand on dit l'azote n'est rien, le carbone est tout, ça ne veut pas dire que l'azote n'a pas de l'importance, mais on peut fabriquer de l'azote à partir du carbone. Donc ça, c'est le lien avec la matière organique. Mais on verra tout à l'heure, notamment avec l'intervention de François, que au-delà de ça, il y a tout un cortège d'êtres vivants qui permettent aussi de venir fixer de l'azote naturellement. Ici, vous avez un sol à 25% d'argile, 7% de matière organique, vous avez quasiment euh, du terreau. Voilà. Et on a un sol à 25% d'argile. Voilà ce qu'on arrive à faire dans un sol à 25% d'argile avec 7% de matière organique et on a quasiment 100% de terre fine. Donc là dedans, ça ne sert à rien de venir travailler le sol et on a euh, derrière euh, un volant d'auto-fertilité qui est intéressant. Là, on est sur le même sol à 3% de matière organique dans une serre à côté qui a été entre guillemets convertie au maraîchage vivant depuis moins longtemps. Eh bien, on voit bien que euh, la porosité, la structure n'est pas la même. Donc il y a dans ces techniques, euh, une réussite qui est liée quand même à la fois au taux de matière organique, puis à l'état du sol in fine au démarrage. Pourtant, ici, ça fait quand même euh, deux ans que des apports ont été faits. Est-ce qu'ils ont été faits de façon assez massive Est-ce qu'ils ont été faits de la bonne manière Est-ce que le fait de venir les mettre toujours qu'en surface, quand j'ai un sol qui démarre à 2% de matière organique, 2% et demi, avec 25% d'argile, c'est suffisant Toutes ces questions-là, il faut se les poser. Et c'est parce que vous vous posez ces questions-là, par rapport à un bon état des lieux, un bon diagnostic de votre sol au départ, que vous allez pouvoir cheminer convenablement. Euh, globalement, il y a des stratégies qui vont être toujours 100% gagnantes. C'est-à-dire que si vous partez de 2% de matière organique, le fait de pouvoir venir en apporter de façon un peu massive dès la première année vous permettra de gagner du temps. Et il faut le faire dans, on va dire, le bon schéma. Hein, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, juste avant le, le démarrage, des sols trop engorgés en eau, des sols trop secs. Il euh, y, y, y a vraiment une dynamique derrière à venir prendre en compte, et cette dynamique, c'est une dynamique qui est liée aux conditions de vie de votre activité biologique. Ici, un autre exemple. Euh, on est derrière Prairie. On a voulu juste pailler, planter des choux derrière Prairie. Donc, est-ce que les choux, en première année, euh, après conversion, c'est la bonne culture On peut se poser la question. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est qu était en Prairie dégradée, hydromorphe, euh, avec des structures de sol qui étaient quand même plutôt dégradées. Donc, derrière, euh, je cherche à venir mettre en place les principes du MSV, mais je ne vais pas vérifier si ma prairie, euh, elle est compactée ou pas compactée. Euh, donc, derrière, dans une, non, et, et je ne sais pas le taux de matière organique de ma prairie, parce qu'elle peut très bien être en dessous de 3%, selon comment elle a été gérée. Donc, ce qui est essentiel, c'est de venir faire ce diagnostic-là. Cet agriculteur, il aurait pu faire des apports importants de carbone au démarrage, l'enfouir, démarrer euh, ses cultures comme ça, si sa prairie, par exemple, n'était pas de, de bonne qualité au démarrage. Donc tout ça est lié au diagnostic et savoir observer et décider est important. C'est tout ce qu'on va faire durant cette journée, cet après-midi notamment où on sera sur, sur, euh, sur le terrain, de pouvoir euh, commencer à rentrer dans ce diagnostic pour mettre en place une séquence technique qui vous permette d'arriver à des légumes qui poussent bien et qui soient euh, voilà, dans de bonnes conditions de, de pousse. Donc le cheminement logique de ce maraîchage, ça va être de dire, je veux arrêter euh, avec ma porosité mécanique, je veux fabriquer de la porosité biologique. Donc quand vous avez une bonne porosité biologique, vous mettez la main dans votre sol et vous n'avez pas besoin de venir forcer. Et vous allez voir de suite derrière ce que ça va vous apporter, c'est-à-dire naturellement une porosité suffisante pour pouvoir planter vos, vos légumes. Vous avez euh, parmi les activités biologiques les plus importantes, je les ai mises là à droite. On n'en parle pas souvent, on parle souvent des bactéries, on parle souvent de choses, mais le lombric est essentiel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de lombric dans votre système pour passer du carbone à l'azote rapidement, ça va être compliqué. Et puis le champignon qui est capable de venir dégrader des quantités de carbone importantes, et notamment quand on a un rapport C -sur élevé. Donc le défi, c'est de passer de la porosité mécanique à la porosité biologique. Ça passera toujours par un seul principe. La plante va convertir l'énergie du soleil, la transformer en énergie chimique qui va être consommable par cette activité biologique, que vous la portiez sous forme de BRF, de paille ou de couverts végétaux qui arrivent quand même à maturité, ça peut marcher tout aussi bien. Euh, la question des couverts végétaux en maraîchage, on, on se le posera cet après-midi. Est-ce que c'est les choses les plus adaptées, en tout cas pour du maraîchage petite surface c est, c est Pas forcément. Dans tous les cas, on va passer par du résidu végétal. Et donc c'est toujours le végétal qui a réussi par la photosynthèse à venir capter cette énergie du soleil, et à la restituer dans des chaînes trophiques. Et c'est là quand même l'axe principal de travail dans ce type de, de système de production. Donc, passer du carbone à l'azote c'est globalement avoir une chaîne d'animaux qui viennent décomposer ce carbone. Dans cette chaîne d'êtres vivants, on va se poser la question euh, de est-ce que la chaîne alimentaire est en place ou pas dans votre sol. Si vous partez derrière, par exemple, des cultures céréalières plutôt intensives et que vous mettez votre jardin là-dedans, ou que vous, vous passiez derrière une prairie poussante en bon état, vous n'allez pas avoir les mêmes, euh, les mêmes schémas. Donc, vous allez avoir euh, dans cette chaîne trophique qui est représentée ici, une myriade d'êtres vivants. Vous avez les bactéries et les champignons qui sont les plus petits êtres vivants mais qui sont finalement les grands transformateurs. C'est eux qui vont transformer finalement la matière, qui vont la dégrader, la casser, la rendre disponible. Et en fait, qu'ils soient, qu soient libres dans le sol, ces bactéries ou ces champignons, qu'ils soient dans le tractus digestif de votre, de votre ver de terre ou d'autres êtres vivants, c'est toujours les bactéries et champignons qui font le travail. Euh, le ver de terre, lui, est un grand catalyseur, c'est-à-dire qu'il va avoir cette capacité à venir disséminer largement, euh, notamment euh, ces micro-organismes dans le profil, et surtout, il va faire comme une vache quasiment. Votre vache, elle vous mange du foin, et puis 24 heures plus tard, elle vous fait un engrais. Le ver de terre c'est la même chose, il va vous manger de la paille et puis très rapidement après il va faire des turricules qui sont riches en éléments nutritifs. Sans le ver de terre c'est quasiment impossible d'asseoir un système qui soit euh, stable et qui permette de pouvoir fonctionner convenablement. Donc votre capacité à apprécier si vos vers de terre sont là ou pas là est importante parce que dans votre phase de transition, si vos vers de terre anessiques notamment sont trop faibles nombre, vous allez avoir un démarrage de votre sol qui va être compliqué. Voilà, on verra tout à l'heure combien de temps ils mettent pour revenir, mais grosso modo, euh, une population de vers de terre anémiques commence à se restructurer au bout de deux ans, trois ans. Voilà vos turicules riches en éléments nutritifs. Euh, voilà, c'est juste pour illustrer hein, beaucoup d'azote, de phosphore, de potassium, de magnésium, de calcium, et tout ça au service de vos cultures. Et on vous le remonte en surface. Donc en gros, c'est extrêmement intéressant de se poser la question du seuil. Donc voyez bien votre diagnostic autour des euh, lombriques, votre capacité à voir s'ils sont là, s'ils ne sont pas là, à les alimenter convenablement avec justement euh, voilà, des résidus végétaux divers et variés, va être la clé de votre système. Alors, comment ça marche La dégradation de votre biomasse végétale fraîche pour pouvoir commencer à construire un statut organique de votre sol qui soit suffisant. Première chose, il faut que vous sachiez différencier les différents composants de ces matières organiques. Donc on a la biomasse végétale qui est composée de linine et de composés complexes, de cellulose, de protéines, de sucres et de composés solubles. Grosso modo, la cellulose et les sucres et composés solubles vont rapidement euh, venir être minéralisés. Le reste, linine, composés complexes, c'est-à-dire la partie dure de vos végétaux, va se transformer en humus. Et donc, grosso modo, pour simplifier, parce que ça ne sert à rien de se compliquer la vie, la matière sèche, la quantité de matière sèche va vous permettre de comprendre le rendement humus que vous aurez euh, quand vous allez appliquer, que ce soit du BRF, de la paille ou autre chose. Donc ce rendement humus il est géré par un, on va dire un coefficient qui s'appelle le coefficient K1, qui est le rendement humus de vos matières. Et donc euh, si je prends un exemple simple, si vous prenez 40 tonnes de BRF brut, ça va vous faire 20 tonnes de matière sèche. Le K1, c'est 60%. Ça peut monter à 80, mais on va prendre cette, cette référence-là. Et donc, ça vous fabrique 12 tonnes d'humus. Donc, 40 tonnes de BRF vous fabrique, vous fabrique 12 tonnes d'humus. La question, c'est combien de 12 tonnes d'humus vous font en termes de pourcentage de matière organique et comment, dans le transit au travers euh, de vos lombriques et de l'activité biologique au sens large, ça va vous permettre de, de venir euh, finalement rehausser la, la, la quantité d'êtres ions que vous aurez dans vos sols. Donc... On va partir de façon très simple et je vais aller rapidement puisque ça vous ça vous est présenté sans doute en détail tout à l'heure. Grosso modo, tout ce qui va avoir un C/N faible aura peu de lignine et aura un taux de matière sèche qui sera faible. Tout ce qui aura un C/N élevé aura un taux de lignine élevé, une matière sèche élevée et derrière un rendement humus élevé. D'où l'importance, si vous avez à rehausser rapidement votre taux de matière organique, de travailler sur des matières qui vont être très carbonées, même si des fois c'est antinomique avec on va dire, les cours d'agro classiques qui peuvent être enseignés, parce que les cours d'agro classiques ont peur de cette fameuse fin d'azote. Mais comprenez que si vous avez une quantité d'êtres vivants suffisante, et notamment les lombrics dans votre sol, vous allez pouvoir rapidement dégrader ce carbone et permettent de le transformer, et de le transformer en éléments qui vont servir vos plantes. D'autre part, si vous avez trop peu de matière sèche, vous allez avoir une quantité d'organismes décomposeurs, dont les lombriques font partie, qui vont être trop faibles. C'est important de réalimenter ces êtres vivants qui ont besoin de matière sèche, hein, de paille, de bois, pour pouvoir se développer. Les champignons, on en a parlé, ils sont importants, ils se nourrissent d'éléments ligneux. Donc, si vous avez trop peu euh, d'éléments ligneux en apport, dans votre plan de, on va dire, de euh, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de, cette, de, de ces champignons. Donc derrière, si on cherche du lombric, si on cherche du champignon, on doit travailler avec des éléments assez surènes élevés, avec un taux de matière sèche élevé, qui vous permettra de rapidement construire ce fameux statut organique de votre sol. Donc, c'est de la paille, c'est du BRF, c'est des écorces, c'est du bois, euh, tout ce qui va être fumier, compost et le reste va plutôt rentrer dans la gamme de fertilisants quasiment. Bon, après, si vous avez du fumier de hara avec un c sur N de 50, ça commence quand même à être quasiment que de la paille. Mais voilà. Donc il faut pouvoir raisonner ça de façon un peu logique et c'est vrai, sortir des sentiers battus, commencer à travailler aisément avec ces matières très carbonées avec un c sur N élevé. Donc, si je prends un exemple, 1 cm de BRF brut, hein, ça vous fait 40 tonnes de BRF brut, 1 cm. Si vous en mettez 10 cm, ça vous fait 400 tonnes de BRF brut, soit 200 tonnes de matière sèche, 120 tonnes d'humus, et grosso modo, ça vous faire plus 2,5 plus 3% de matière organique si vous les diluez sur 30 cm. Donc, vous voyez, c'est des quantités qui sont importantes, mais ça vous permet d'accélérer le temps et derrière de venir reconstituer votre chaîne trophique, reconstituer cette chaîne d'êtres vivants qui va pouvoir passer du carbone à l'azote de façon plutôt aisée. Donc, premier objectif finalement, c'est faire prendre le relais à l'activité biologique, augmenter rapidement votre taux de matière organique pour arriver à un seuil de fonctionnalité pour vos sols, vos outils, c'est le BRF, la paille, le foin qu'il faut venir mettre en quantité suffisante, et derrière, ça a plein d'avantages. Ça vous permet de limiter le désherbage, ça vous augmente la rétention en eau, ça vous augmente le taux NMO, ça vous nourrit votre réseau alimentaire du sol. Et donc cet ensemble-là est extrêmement important et va vous permettre globalement de venir euh, maîtriser euh, votre milieu. Des stratégies qui peuvent être très différentes, en plein champ ou sous-abri, en sol très argileux, ou très limoneux, ou très sableux, ou en sol très... Si vous partez d'un sol très dégradé, ou d'un sol qui est déjà euh, on va dire avec 5% de matière organique, vous n'allez pas avoir les mêmes stratégies à mettre en place. Votre premier outil, ça sera votre bon sens, votre capacité de diagnostic, et donc c'est pour ça que les interventions suivantes et euh, les interventions au champ de cet après-midi vous permettront normalement d'avoir votre palette d'outils, ou en tous les cas d'avoir un aperçu des postures, des itinéraires techniques possibles, et aussi euh, voilà, du bon sens qu'il faut Appliquer après à ces recettes hein, donc, euh, pour que ça puisse euh, fonctionner et que votre activité biologique puisse prendre le relais euh, par rapport à des activités mécaniques ou des apports euh, euh, d'intrants extérieurs. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis on va donner la parole tranquillement aux autres intervenants. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et sinon je leur passe la, la parole. Merci Sébastien, on a deux petites questions oui. par rapport à ton intervention. Euh, on nous demande si la matière organique carbonée que tu as, dont mmh. tu as parlé est-elle malgré tout incorporée dans les premiers centimètres <coughs> du sol Alors ça, ça, ça dépend vrai. Alors donc la question c'était est-ce euh, que la matière organique, il faut l'incorporer ou pas ben, Je dirais ça dépend d'où vous partez. Euh, si vous partez d'un milieu qui est trop dégradé euh, et, et vous pouvez avoir par exemple d'anciennes friches industrielles vous pouvez avoir euh, des sols qui, qui sont issus de systèmes de production où vous avez une assise en taux de matière organique qui va tomber à 1,5% euh, là il va falloir penser sans doute à l'incorporation pour pouvoir fabriquer un milieu favorable sur euh, 10 ou 20 cm par contre vous pouvez avoir derrière cet effet là si vous n'avez pas votre population de lombrique ces fameuses fins d'azote la question fondamentale, c'est euh, l'itinéraire de transition. C'est-à-dire que si vous apportez euh, ces quantités de carbone importantes et que vous apportez en même temps une quantité d'azote, que ce soit avec du compost, du fumier, qui vient compenser, hein, il y a une sorte de, un peu une sorte de loi 50-50 hein, euh, en termes de, de, de tonnage de matière, vous allez compenser cette fin d'azote avec de l'apport d'azote. Et puis il ne faut pas euh, oublier également que dans le bois, il y a de l'azote. Et quand vous en mettez des grandes quantités, à partir du moment où le cycle du carbone se fait, il va être libéré. La question fondamentale, en fait, c'est quel est votre profil de minéralisation. Et la minéralisation, elle est liée à la chaleur, mais aussi à l'eau. C'est-à-dire que si vous êtes, vous faites votre incorporation à des moments où vous avez un sol trop froid et pas d'eau, euh, ou de l'eau et un sol trop froid, vous allez avoir une cinétique de dégradation qui va être mauvaise, et donc vous commencez à vous fabriquer des problèmes. Donc la, la, la question fondamentale, c'est la gestion de l'humidité du sol. Donc, il va falloir garder un sol humide pour avoir un profil de minéralisation qui soit bon. Et puis, euh, il faut l'incorporer si vous avez des sols qui sont dégradés à des moments où la chaleur va revenir. Comme ça, vous avez chaleur plus humidité et vous allez activer votre minéralisation. Et donc, derrière, l'humification, la dégradation et vous allez avoir moins de concurrence vis-à-vis -vis de vos cultures. Et après, la question, c'est quand vous faites cet enfouissement vous n'allez pas forcément mettre des cultures avec des trop forts besoins. Euh, vous pouvez par exemple euh, mettre déjà une bâche en toile tissée qui va permettre le réchauffement accéléré de votre sol. Vous pouvez mettre par exemple des courges ou d'autres types de cultures euh, qui sont avec des espacements assez larges et derrière vous allez avoir moins de problèmes. Si vous avez vraiment peur, bon après voilà, hein, chacun sa posture, François donnera sa posture tout à l'heure. Euh, si vous avez vraiment peur, vous compensez avec une poignée de bouchons et puis euh, derrière vous allez avoir très très peu de problèmes. Ça vous permet de sécuriser et de vous, et de vous réconforter. Mais globalement, la question fondamentale, ça va être. Euh, la minéralisation, la cinétique de dégradation de cette matière organique. Si vous partez sur une prairie poussante à déjà 3-4% de matière organique avec suffisamment de lombric, vous n'avez pas forcément besoin d'enfouir. Vous partez directement en couvrant, vous plantez, et puis les choses vont se dérouler très bien. Le plein champ et le sous-serre va se dérouler différemment aussi. Sous-serre, vous avez beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de minéralisation, et donc derrière, vous avez des cycles qui s'accélèrent, donc avec beaucoup moins de problèmes euh, de, de ce type, euh, par exemple, de ces fameuses fins d'azote qui pourront se, se produire sous-serre. Donc on est beaucoup plus confort. Euh, voilà. On a une seconde question justement qui, ouais. nous, qui nous demande sous-serre, quelles précautions particulières faut-il prendre pour entretenir le cortège biologique chaîne de décomposition et de minéralisation. Sous-serre Sous-serre. Bah, sous serre, en fait, c'est gâteau. C'est super simple en fait à mettre en place un système MSV sous serre. D'ailleurs, c'est là où ça marche le mieux. Euh, il suffit d'alimenter euh, avec suffisamment de paille, de bois, etc. chaque année. Et vous aurez de toute manière une. Euh, vous allez avoir une dégradation qui va se faire seule. C'est-à-dire, par exemple, dans l'exemple le, que j'ai pris sur euh, les serres en, qui se font dans Rhône, là, donc vous avez vu avec les salades, etc., euh, où il y avait les bêtes sur les photos, vous pourriez, vous pourriez y revenir. En fait, là, il y a eu une transition qui a été progressive. On était déjà sur un sol à 3% de matière organique. L'agriculteur n'avait pas forcément envie de juste alimenter euh, par le dessus en se disant je ne vais pas travailler le sol parce que dans sa culture il travaillait plutôt le sol et il s'est dit je vais y aller progressivement. Donc il enfouissait à 10 cm à chaque fin de culture son bois ou sa paille et puis euh, ça y est allé tout seul en fait. Euh, mais on avait déjà de toute manière l'activité biologique suffisante et si vous l'avez, l'entretien suffit en, en rajoutant de la matière organique. Voilà, donc matière organique euh, fraîche de type bois, de type paille, de type foin, on s'en fout. La question c'est de nourrir euh, cette activité biologique suffisamment. Et donc on peut garder en tête, euh, on va dire, un, un indicateur 15-20 tonnes de matière sèche chaque année qui va être apportée par vos divers paillages suffit à entretenir euh, une activité biologique euh, qui, qui va être assez fonctionnelle en fait. Voilà, donc. Euh, voilà, 15-20 tonnes de matière sèche. Donc, ça, ça veut dire quoi? On a fait des calculs, on a fait une formation cette semaine. Grosso modo, pour pouvoir alimenter tout ça, euh, 80 tonnes de BRF qui viennent sur la ferme pour 1800 euh, mètres carrés de serre. Et ça suffisait à gérer euh, intégralement euh, l'ensemble des cycles. Voilà, donc ça, ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Donc ça veut dire quand même derrière, il faut trouver un sourcing en bois, en paille euh, qui soit stable. Ça c'est quand même un cœur de sujet quand on, on passe sur ces techniques-là, c'est que vous devez avoir une alimentation, il faut qu'on vienne vous livrer tous les ans une quantité quand même assez importante de résidus végétaux. Euh, là quand on parle 80 tonnes pour euh, aller 1800 m, 2000 m carrés de serre, c'est quand même pas rien, on n'a pas l'habitude de faire venir ça sur une ferme habituellement. Donc ça c'est important et ça devient un critère dans votre installation qui est essentiel. Où aller trouver cette matière pour pouvoir tous les ans venir euh, alimenter vos, euh, vos sols. On va avoir une dernière question de Jordan qui nous demande si tu as des exemples de réussite sur sol sablonneux. Alors, les, les, c'est marrant, c'est fou quand on a des discussions avant qui sont, qui sont en relation avec les questions qui arrivent. Donc, les sols sableux, on en parlait. En, en fait, je reviens à, à cette cinétique de minéralisation et puis de, au maintien de l'activité biologique. Euh, si on prend, par exemple, un lombrique, euh, ces conditions, on va dire, idéales, c'est 12-13 degrés minimum et puis après, 80% d'humidité. C'est-à-dire que si vous redescendez, vous redescendez trop en humidité euh, dans vos sols, le verre de terre il va avoir tendance à descendre et donc, il va plus faire son action. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une action qui soit continue des lombriques tout au long de l'année. Donc, ça veut dire que dans les sols sableux, la clé, ça va être euh, d'avoir une gestion de l'irrigation quasiment en sur-irrigation par rapport à ce qu'on ferait. Le goutte à goutte devient quasiment quelque chose qui peut être à proscrire. On va plutôt passer en micro-irrigation pour avoir une bonne humectation du sol. Euh, et donc, derrière, euh, la question fondamentale, au-delà de dire sol sableux ou pas sableux, c'est l'humidité de mon sol. Je dois maintenir une humidité. Euh, alors dans certains, en milieu plutôt océanique, on a des profils de pluviométrie qui permettent d'avoir quelque chose qui est, on va dire, assez régulier toute l'année, et puis on a une minéralisation qui est beaucoup plus régulière, dans des milieux plus continentaux. Comme ici d'ailleurs, euh, ou quand on est en altitude, on, on commence à avoir des fois bah, du vrai sec euh, et puis euh, du vrai froid, etc. Et puis donc derrière, il faut pouvoir gérer via l'irrigation euh, correctement, notamment l'été, parce qu'on a des périodes de sécheresse des fois qui sont extrêmement intenses, pour toujours avoir de l'humidité dans les sols. Dès que vous allez perdre cette humidité ou si vous avez des variations, Humide, pas humide, humide, pas humide, vous allez avoir dans votre machine biologique des arrêts et des reprises, des arrêts et des reprises, voire même des mises en dormance. C'est-à-dire que, bon, le il n'est pas con, quand il voit que c'est trop sec, euh, pendant trop longtemps, euh, bah, il va avoir plutôt tendance à, à réduire son activité pour revenir à des moments où il est sûr de pouvoir ne pas être en danger, hein, puisqu'il ne peut pas réguler son humidité interne, il ne peut pas réguler sa température interne, il le fait, c'est les conditions du milieu qui lui permettent de réguler ça. Donc, c'est à vous de gérer ces conditions du milieu pour permettre à cette activité biologique de perdurer. Voilà, et, et, et quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que les êtres vivants du sol n'ont pas de système de régulation de température interne. Donc, c'est à vous de gérer les conditions du milieu pour leur permettre de s'exprimer.